Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, en géométrie, nous allons étudier le théorème d'Euclide et le théorème de la hauteur. Commençons par un triangle rectangle où on a abaissé la hauteur depuis l'angle droit. On a ici trois triangles, de part et d'autre de cette hauteur qu'on vient de dessiner. Dessinons ces trois triangles dans la même position pour vérifier qu'ils sont semblables. Déjà, ils sont tous les trois rectangles. On met donc bien le côté avec l'angle droit en haut et la base, c'est donc notre hypoténuse. Ici, maintenant, on va regarder le triangle principal ABC. Il a en A un angle qu'on va mettre bleu, en B un angle qu'on va mettre rose et l'angle droit, il sera jaune. Si on regarde les autres triangles, eh bien, on a aussi certains de ces angles. On sait que bleu, rose et jaune, ça donne 180 degrés. Par exemple, si on isole le bleu, eh bien on sait qu'on peut l'écrire comme 180 moins le rose moins le jaune. Maintenant, observons le triangle du milieu. Quelle couleur est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit absolument jaune et rose, mais il nous manquerait un côté. Appelons-le deux petits traits. Et deux petits traits correspondent à 180 moins jaune moins rose. Et ça, on sait que ça vaut eh bien, l'angle bleu. Donc l'angle avec deux petits traits, eh bien, c'est forcément l'angle bleu. Troisième, on va faire de la même façon. Ici, on a deux angles en commun. On a donc cette fois-ci jaune et bleu, et il nous manquerait le rose. On va le noter premièrement avec un seul trait, et puis on va regarder pourquoi est-ce que ça serait absolument le côté rose. De la même façon, on retrouve qu'en isolant petit trait, c'est 180 moins jaune moins bleu, et donc on sait que c'est forcément égal à rose. Donc les trois triangles ont les mêmes angles, ils sont donc semblables. Maintenant, on peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc on va prendre un côté et puis un autre, sur le grand, le petit et aussi le moyen. À chaque fois, le côté vert sur le côté violet. Donc maintenant, on observe ces égalités. Et il y en a une où il y a deux fois le même côté qui apparaît, le côté CH qui correspond à la hauteur. Si on remet tout à plat, et bien en regroupant les CH, on a CH au carré égale AH fois BH. CH donc c'est la hauteur par rapport à notre situation du haut, donc la hauteur au carré c'est égal à ce qu'on a de l'hypoténuse d'un côté de la hauteur fois ce qu'on a de l'autre côté de l'hypoténuse, mais toujours pas la base en entier. Donc on peut regrouper ça, c'est le théorème de la hauteur et c'est donc CH au carré égale à AH fois HB. On va jouer de la même façon avec le théorème de Thalès, cette fois-ci en prenant compte d'égalité avec l'hypoténuse de chacun des trois triangles. Et puis on va réussir à trouver de nouveau une égalité où il y a deux fois le même côté qui apparaîtra. Ce côté-là, ça sera le côté CB. Et donc maintenant, au carré, on va jouer de la même façon. On va prendre les deux fractions et on va regrouper nos CB pour faire CB au carré. Et ça sera égal à AB fois BH. Alors repartons sur notre dessin du haut. CB au carré, c'est donc une catète du triangle. C'est l'hypoténuse du grand fois la partie de la catète du petit. Où CB était l'hypoténuse. Passons aux exercices. Ici, on a absolument le théorème d'Euclide et de la hauteur à appliquer. Avec cette notation, rappelons le théorème donc, de la hauteur et le théorème d'Euclide. Il peut s'appliquer pour les deux côtés, donc côté AC au carré, ou bien on pourra l'appliquer avec le côté AB au carré. Maintenant, ce que je vous propose ici dans cet exercice, c'est de repérer les côté que l'on a. Par exemple, ici, on a le côté AH et le côté BH est à trouver, mais on a le côté CH. Ici, on voit très bien quelle est la formule à utiliser puisque les deux côtés que l'on connaît et celui à trouver, eh bien, c'est dans le théorème de la hauteur que on va pouvoir les substituer. Donc, on substitue nos données et on voit que la seule inconnue, c'est ce qu'on cherche, c'est donc le côté BH. On isole et on passe à la calculatrice. Attention, ici on demande d'arrondir au centième. Cette fiche a été créée grâce à un site qui s'appelle gomat.ch et qui permet de générer des fiches avec leurs solutions.
évidemment pas les détails pour y arriver, mais ici je vous propose une correction pour la première ligne. C'est parti pour la deuxième ligne. Cette fois-ci, on a d'autres données numériques. On a AC, BC et on veut trouver CH. Ici, on voit qu'on utilise une autre formule. Une autre formule contient ces couleurs-là. Et bien, c'est le théorème d'Euclide. Donc, comme pour la première ligne, on pose notre égalité et puis on isole notre inconnu pour ensuite passer à la calculatrice et arrondir le résultat au centième. Et donc ici, on obtient 42. J'espère que vous avez compris le mécanisme de ce type d'exercice. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Et n'hésitez pas à vous abonner à la playlist pour voir si de nouvelles vidéos apparaissent.